Andy, par exemple, le classique, pourquoi? Parce que le clic symbolise la vie. On dit même que quand un couple se marie, c'est un peu déçu. Et là, elle a voulu faire la métaphore un peu de la vie qui prend différentes directions. C'est même plus que le son qui prend toutes les directions à la tête. C'est beau, hein? Yann, c'est un artiste qui a 30 ans et qui est assez en vogue à Corée. Et tous ses arts sont sur film. On a d'autres produits aussi qui sont mais développés par l'artiste de Nid. Et puis d'ailleurs, là, c'est aussi du fil développé. Et si vous faites l'exposition de musée, elle a 2-3 œuvres comme ça tout autour du fil. C'est sympa. Et après, Kongoli. Donc, lui est un artiste de 34 ans qui prend les objets du quotidien pour les déformer de leur fonctionnalité. Là, il a utilisé du fil de polyester, c'est un peu le matériau des ceintures de sécurité de voiture, et du fil électrique pour faire justement un habillage. Alors, bon, là, c'est un masque un peu asiatique, pour habiller les enfants. Donc, encore une approche totalement différente, donc c'est intéressant de voir quand on fusionne l'art et la technologie, ben, le résultat, c'est. Et alors du coup la joue qui a deux pieds différents. Alors effectivement c'est commercialisé avec ce pied là, le carton qu'on trouvera cette enceinte. Et je peux acheter en option ce pied. Les enceintes sont sans fil. Alors je les branche quand même au secteur 220 volts. Et après je peux les piloter sans Bluetooth, sans Wi-Fi. À partir du moment où on est Android sur iOS, je peux en un bac, donc t'adapter. Et je peux piloter, je vais récupérer toutes mes sources de musique. Ça se connecte avec son téléphone, son ordi. Ouais, exactement. Là, par exemple, j'ai toutes mes musiques en streaming, service de streaming. Les morceaux du téléphone. Si j'ai de la musique sur ma tablette, sur mon PC, sur même un Mac, n'importe, je peux les récupérer. Et même le son de ma télé, je peux pouvoir le récupérer et le diffuser justement sur les enceintes. Et piloter ensuite les enceintes directement depuis la télé. Voilà. Et si j'avais plusieurs enceintes chez moi, je peux en mettre plusieurs. Ici, j'accède à ma liste d'enceintes et je peux en fait faire un usage qu'on appelle le multi-room, multi-pièce. Je peux avoir la même musique dans toutes les pièces ou une musique différente par pièce et tout ça en passant par mon téléphone. Et avec quelle puissance? Alors, nous, on communique pas sur la puissance en watts, c'est un critère qui n'est pas forcément très objectif, mais en tout cas, en espace sonore, on peut sonoriser une pièce de 100 mètres carrés facilement. Parce que là, je ne suis pas la moitié du volume. C'est sympa, c'est qu'on la positionne n'importe où et j'ai la même qualité sonore quelle que soit la position jusqu'à être dans toutes les directions. Et on a voulu travailler sur la restitution du son de la manière la plus fidèle possible. Aussi bien dans les graves, on est sur des basses profondes, mais pas beaucoup pourries. Les médiums assez doux et chaleureux, puis les aigus qui vont tout mais sans saturer. On va vraiment quelque chose de propre et écoutez, voilà. Jazz comme si j'étais dans un jazz club et c'est intéressant. Et en même temps, il y a complètement différent, coloré. Et elle coûte combien? Elle coûte 399. Traditionnel. Donc ça, c'est un modèle qui est la Z qui modèle haut de gamme. Il faut savoir qu'il sera décliné en deux petits modèles qui seront à 300 € et 200 €.